Tiens, on va parler un petit peu de 360, de 180 et de 3D. Là, je filme ce matin avec la caméra Insta360 Evo. Elle n'existe plus maintenant. Ils ont arrêté la fabrication et c'est bien dommage. C'était une solution assez intéressante de pouvoir filmer en VR 180 3D. Mais la définition était juste. Celle-ci, l'Evo, la définition est de 5,7K. Il faudrait monter à 2 fois 4K pareil, soit 8K. Ou même, ça serait bien d'avoir du 8K pareil. En ce qui concerne la VR 360, là, l'écriture est tout à fait différente. Dans les derniers trois films que j'ai réalisés, cela se passe pendant le pesage aux 24 heures du Mans. J'ai filmé comme avec une caméra standard, 16 neuvième, droit devant, parce que l'action se fait à l'avant. Les pilotes qui signent leur carte, les voitures. L'avantage, c'est qu'avec la caméra au bout de la perche, cela me permet de passer par-dessus les personnes et d'aller au-dessus des voitures. Eh bien, pour l'instant, je continue à filmer avec ma caméra Evo en attendant que Canon sorte la sienne en 180 3D.